Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Eh ben ça y est, on y est, 2022, donc je vais vous faire le tirage général pour janvier 2022. Bah ouais, ça y est. Donc comme vous pouvez constater, bah ouais, bah j'ai encore rien foutu, hein, pour... si, j'ai terminé le sentimental, si ça vous intéresse. Par contre, là, je débute le général. Donc qu'est-ce que je vais vous proposer? Une carte message, une carte conseil avec le petit oracle des anges que vous connaissez maintenant parfaitement bien. Le tableau avec le 77 que vous connaissez également super bien. Et j'ai ressorti mon grimoire. Trois questions-réponses avec mon fameux grimoire. Allez, c'est parti! Alors, c'est parti avec qui? C'est parti avec vous les poissons. Bonjour à vous les poissons et bienvenue sur ma chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on va vous annoncer les poissons? Quelle va être la petite carte message pour les poissons pour ce janvier 2022? J'ai pas une carte qui a fini pirouette là? Si, mais elle s'est remise correctement. Ah, ça y est. Alors, pour les poissons. L'archange Uriel. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bon, j'ai pas tout compris, je sais pas si vous avez tout compris. En tout cas, vous êtes dans une transformation spirituelle. Il y a une harmonisation qui s'opère dans votre vie. Moi, c'est ce que je comprends. Hein. Dans votre vie et dans le monde à laquelle vous vivez. Entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, et le cœur et l'esprit. Une transformation positive, c'est ce qu'il faut retenir. Hein. Moi, je dis, c'est le plus important. Donc, nous allons voir qu'est-ce qui va se transformer dans votre vie. Nous avons déjà un personnage qui n'est pas vous. Donc là, c'est la carte de l'homme, mais ça peut très bien être la carte d'une femme, puisque je vous rappelle que c'est un tirage général. Allez, pour les poissons, quelle est cette transformation positive qu'il y a enfin dans votre vie? Allez, je monte tout. Donc, la première carte... C'est la carte de l'homme, hein, je vous rappelle, ça peut très bien être la carte d'une femme. Ici, on voit bien que ça fait longtemps que vous attendez. Longtemps. Avec une vitesse de croisière qui est plutôt lente. Donc ça fait longtemps que vous attendez sur quelque chose qui prend son temps. On voit que vous avez eu le temps de prendre du recul. Ou alors avec de l'humour, vous avez eu le temps de vous transformer en statue. Mais ici, on vous dit, ça y est, vous allez pouvoir enfin récolter le fruit de votre travail. Ou alors,
Donc récolter le fruit, donc ça veut dire que vous avez entrepris des démarches et vous allez enfin avoir des réponses. Vous avez entrepris des démarches, j'allais dire quelconques, hein, ça peut être juridique. Le fruit, c'est la réponse, c'est peut-être de l'argent également. Ici, ça concerne peut-être un enfant ou alors ça concerne peut-être sur quelque chose de nouveau, pourquoi pas. Vous allez enfin avoir ce rendez-vous tant attendu par un mail, par un coup de téléphone, par un courrier, pour avoir enfin ce rendez-vous tête à tête tant attendu. Ici, on voit bien que ça a été quelque chose de coincé, d'une porte de prison. Franchement, c'est quelque chose de complètement bloqué, une porte de prison fermée. Ça concerne des ennuis. Donc ce rendez-vous qui était coincé, cette situation qui était coincée, concerne des ennuis. Des ennuis, mais ça peut très bien être également un ennemi. En tout cas, quelque chose qui vous a labouré l'estomac, ça c'est sûr, hein. Sur une situation négative. Oula, ça fait mal aux oreilles. Sur une situation négative qui s'est produite dans votre vie. Donc, je récapitule. Cette carte, c'est pas vous. Donc, ça peut très bien être une situation qui concerne un homme. Non, comment on va dire ça? Est-ce que ce rendez-vous tête à tête, cette situation qui était bloquée, qui a duré pendant un certain temps, est-ce que cet ennui, cet ennemi, c'est un homme? Voilà, on va dire ça comme ça, pourquoi pas? Ou alors ça peut très bien être une femme, hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ce pauvre homme est tombé, mais c'est peut-être pas forcément lui qu'il faut montrer du doigt. Enfin, vous m'avez très bien comprise, hein. Donc ici, une situation qui traîne depuis un certain temps, à vitesse de croisière, extrêmement lent, on voit que vous avez eu le temps de réfléchir. Ça, pour réfléchir, vous avez eu le temps, hein. Vous êtes même peut-être transformé en statue de pierre, mais vous allez pouvoir enfin récolter le fruit de votre travail concernant un enfant. Donc oui, j'entends des personnes qui me disent « Sandra, donne-moi des cas ». Oui. Ici, on peut très bien parler d'une procédure de divorce. Par exemple, si c'est dans le domaine sentimental, ça fait longtemps que vous êtes séparé avec cet homme ou avec cette femme, hein, je vous rappelle, mais il n'y a rien qui a bougé. Oui, vous êtes séparé de corps, mais il n'y a rien qui a bougé. Vous avez bien entrepris des démarches et là, on vous dit en janvier, vous allez pouvoir enfin récolter le fruit de votre travail. Donc une procédure de divorce peut-être concernant un enfant également, pour avoir une pension alimentaire, pourquoi pas. Ici on vous dit ça y est, vous allez enfin avoir ce courrier pour le rendez-vous tête à tête. Rendez-vous tête à tête peut-être avec votre avocat, pourquoi pas, c'est un exemple. Ici on voit bien que cette situation a été coincée, donc ce rendez-vous c'est en espérant pour décoincer la chose. Et discuter des problèmes que vous avez eus avec votre ex-mari ou votre ex-femme. Ici, on voit bien qu'il y a eu quelque chose de négatif qui s'est passé dans votre vie qui fait que voilà, vous êtes séparés. Ça, c'est une possibilité, mais ça peut très bien être professionnel également, puisqu'ici, on ne voit pas de thème bien précis. Encore une fois, professionnellement, peut-être que vous avez eu un problème avec un supérieur, un homme. Ça peut très bien être une femme. On voit bien que ça fait longtemps que vous avez attendu, avec une vitesse de croisière en plus extrêmement lente. Donc, ça fait longtemps et il n'y a rien qui a bougé. Vous avez eu le temps, encore une fois, de bien de cogiter ce qui s'est passé. Vous allez pouvoir enfin récolter le fruit de votre travail pour une nouvelle jeunesse, j'allais dire, pour entreprendre quelque chose de nouveau.
Oui, encore une fois, si vous avez entrepris des démarches importantes professionnelles, donc c'est peut-être encore une fois un rendez-vous important administratif ou un rendez-vous d'avocat sur une situation qui est complètement bloquée de ce qui s'est passé à l'époque professionnellement. Voyez comment que ça peut vous parler, hein. Ici, on parle d'une situation bloquée, hein. Là, j'ai donné deux exemples, mais ça peut être encore autre chose, hein. Allez, pour les poissons. Qu'as-tu à dire pour les poissons avec cet homme-là? Ce pauvre homme qui se prend plein de choses dans la figure. Qu'as-tu à me donner comme carte? Ah bah oui. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Allez, sur cette lenteur. T'es pas obligé de me la bazarder, hein. Et sur ce rendez-vous tête à tête. Qu'as-tu à dire sur ce rendez-vous tête à tête, sur une situation qui est coincée? Merci. Donc, concernant peut-être une situation avec un homme, qui peut très bien être une femme, effectivement, ici, nous voyons bien qu'il y a une procédure judiciaire pour pouvoir retrouver enfin votre harmonie de vie. Donc oui, pour certaines personnes, vous avez pris contact. Alors peut-être que c'est un homme, hein, votre avocat, pourquoi pas. Alors soit vous avez pris contact avec j'allais dire un notaire, un huissier, enfin ce que vous voulez. En tout cas, c'est pour pouvoir passer enfin à autre chose et retrouver enfin votre harmonie de vivre. Ça peut concerner également tout ce qui est dans le domaine artistique. Pourquoi pas? Ici, on voit bien que ça a duré pendant certains temps, il y a eu une lenteur, effectivement, la bouche était fermée. Vous avez attendu pendant un certain temps, voire même peut-être plusieurs années, une réponse sur quelque chose que vous voulez enfin clôturer, mais cette bouche, elle est fermée. Pourtant, on vous dit que ça va être complètement inattendu, là, grâce au rendez-vous que vous allez avoir. On va vous prodiguer enfin de très bons conseils ou alors on va enfin vous annoncer de très bonnes nouvelles. Que votre dossier qui est coincé va en... Ah, bah voilà la transformation. Bah oui, s'il y a une situation coincée depuis un certain temps, là c'est sûr que le ciel dont vous avez l'impression qu'il vous tombait sur la tête. Non, voilà, c'est ça en fait. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans votre vie. Bah oui, l'union du ciel et de la terre. Ah oui, si vous êtes arrivé une catastrophe, donc forcément à un moment donné, le ciel vous est tombé sur la tête, donc sur la terre. Donc non, ça y est, ça va être l'esprit et la matière. L'esprit, c'est votre mental. Ah oui, bah là maintenant tout est clair en fait. L'esprit, forcément, si vous avez eu l'esprit coincé sur une situation qui a bloqué pendant un certain temps, donc oui, votre esprit, votre morale va aller mieux. Et la matière, bah, c'est peut-être de l'argent, pourquoi pas. Le cœur et l'esprit, bah oui, le cœur allégé, ça y est, enfin, cette situation, je vais enfin pouvoir me libérer. Donc le cœur et l'esprit, bah oui, forcément, si le cœur va bien, votre mental va aller mieux aussi, s'unissent pour un équilibre harmonieux. Bah voilà. Voilà l'explication. Allez, la suite. Allez, sur cette bouche. Dis-moi que cette bouche, elle va s'ouvrir. Non, là, ça fait un peu beaucoup, hein, s'il te plaît. Dis-moi que cette bouche va s'ouvrir. Dis-moi qu'on attend enfin des réponses.
et les bons conseils. Ça va être soudain, inattendu, la dernière carte pour les poissons pour ce mois de janvier. Merci. Ah, cette carte, elle est retournée. Bon, je vais prendre celle-là. Ah, il y en a deux. Oh oui, on va les garder, celle-là. On va les mettre là de côté. Donc, effectivement, là, ici, on voit qu'il va y avoir un changement positif dans votre vie avec le trèfle. Donc, ça va être une petite chance. Donc, effectivement, ça va être une aide. Ça va être un soutien. Bah oui, avec la carte au-dessus pour ceux qui ont entrepris des démarches importantes. Donc, vous allez enfin avoir une chance. Ou alors, il va y avoir une heureuse coïncidence. Mais bon, je pense pas. Hein. Si vous avez attendu depuis un certain temps, c'est bon. Hein. Il n'y a plus de coïncidence. À un moment donné, il faut avancer. Hein. Les cartes qui suivent ici, on vous dit, ça y est, vous allez enfin entreprendre un nouveau chemin de vie. Ici, on voit bien que vous... Ah non, attendez. Ici, je reprends. Vu que ça fait extrêmement longtemps, donc on voit bien que vous avez déjà entrepris un nouveau chemin de vie, mais du fait que vous avez été coincé peut-être par tout ce qui est service administratif, notaire, avocat, prud'homme, que sais-je. Donc on voit bien que vous avez entrepris des démarches, mais vous êtes dans ce rond-point complètement perdu, seul, abandonné. Mais là on vous dit, ça y est, vous allez enfin avoir une aide. Sur des choses, encore une fois, dont vous avez été complètement perdu. Une aide sur perdu, mais là, c'est plutôt dans le sens administratif. Administratif, juridique. Vous êtes complètement perdu, vous êtes dans ce labyrinthe et vous avez vraiment besoin d'aide pour pouvoir vous en sortir. Bah oui, si c'est un problème d'avocat, de divorce, effectivement, vous ne pouvez pas divorcer seul. Malheureusement, ça reviendrait moins cher. Si vous avez besoin d'aide concernant peut-être un héritage, pareil, un notaire, ben malheureusement, voilà, c'est un service bloqué, vous ne pouvez pas faire seul, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ici, encore une fois, on voit bien, ça c'est votre estomac, là, c'est... Pouf, ça, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça fout la chiasse, ouais, je suis d'accord. Mais la réponse finale, c'est ça. C'est ça le plus important. C'est oui, ça a duré depuis un certain temps. Oui, ça a été long. Oui, vous avez eu le temps de cogiter. Ce rendez-vous tant attendu, ça y est, enfin. Et là, l'issue, alors je ne vous garantis pas que l'issue finale va être au mois de janvier. En tout cas, je vous l'espère. Mais en tout cas, ça sent bon là. C'est positif. Donc, quand on lit les cartes maintenant dans le sens vertical, qu'est-ce qu'on parle? On parle d'un homme, donc peut-être que vous avez eu des problèmes avec un homme. Ça peut être une femme, peut-être que cet homme est un avocat, un notaire, un huissier, peut-être. En tout cas, ici, si ce n'est pas un notaire, un huissier, on est en train de vous dire que ça y est, vous allez enfin retrouver votre équilibre pour pouvoir retrouver une vie enfin harmonieuse et normale. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir enfin un changement positif grâce à cet équilibre, grâce à ce notaire, huissier, etc. Ce changement positif. Effectivement, vous allez enfin avoir une petite chance. Ici, on voit bien que ça fait longtemps que ça dure. Sur une procédure, donc ça fait longtemps que ça s'est passé. Et en plus, vous avez entrepris des démarches qui sont extrêmement lentes ici. Bon, vous avez su garder votre calme, votre sérénité. Ou alors vous êtes transformé en statue de pierre parce qu'à un moment donné, on n'en peut plus de la lenteur. Mais on vous dit, vous allez pouvoir enfin récolter le fruit de votre travail. Donc toutes les démarches que vous avez pu entreprendre, ça y est, c'est soit pour une nouveauté, mais ça peut concerner également un enfant. Vous attendez une réponse. Ici, on voit bien que vous avez déjà entrepris une nouvelle voie, mais vous êtes complètement bloqué, bah oui, bloqué par un service
qui n'est pas vous, quoi. Si ça tiendrait qu'à vous, ça serait déjà débloqué, mais non. En fait, vous êtes coincé par un service peut-être juridique, par un service administratif, donc vous êtes coincé, perdu, vous avez entrepris toutes les démarches, mais il n'y a rien qui se passe. Vous êtes dans un labyrinthe et vous n'avez pas le choix que attendre. Mais là, on vous dit, ça y est, vous avez enfin cette main tendue, ça y est, vous allez enfin avoir cette aide. Et effectivement, ici, on vous dit, vous allez avoir un coup de téléphone, un courrier ou un mail pour avoir enfin ce rendez-vous tête à tête, pour discuter de cette situation qui est complètement bloquée, pour parler soit des ennuis que vous avez eus, ça peut être également des ennemis, ça peut être des personnes, hein, des personnes qui vous ont créé du mal. En tout cas, on voit qu'il y a eu un changement négatif dans votre vie suite à cette situation. Ici, on vous dit que ça va être soudain. Soudain, donc ça va venir. Vous allez enfin entendre toutes les bonnes choses que vous avez attendues depuis un certain temps. Donc oui, tout ce que vous avez entrepris en démarche, ça y est, ça va enfin se débloquer. Donc, j'ose espérer que cet état des intestins et d'estomac, oh, ça va enfin se libérer. Et là, on vous dit oui. Oui avec le soleil et un grand oui. Donc, encore une fois, je ne vous garantis pas que ça sera forcément au mois de janvier. J'espère, mais en tout cas, oui, ça y est. C'est sur de très bonnes voies. Ah, j'ai cru que j'allais pas pouvoir vous déchiffrer la petite carte là. Super, la voyante, elle tire des cartes, elle sait même pas décrire la petite carte. Mais voilà, ça y est, merci le 77. On a pu enfin comprendre le petit message de départ. Allez les poissons! Donc, je vous rappelle, trois questions au choix, ce que vous voulez. Vous pouvez très bien avoir une question. Moi, je fais trois tirages. Donc, de toute façon, vous allez choisir le tirage que vous souhaitez, le 1, 2, 3. Si vous voulez que ça soit sentimental, il n'y a aucun problème. Mais je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie en jeu. Voilà. Allez, c'est parti pour la première réponse, les poissons. On vous dit, vous avez tiré un 8. Voilà. Non, je plaisante. Ce qui indique que quelqu'un fait pression sur vous. Oula, repoussez cette personne. Si vous avez quelqu'un qui vous fait chier, en gros, hein, repoussez cette personne. Allez, la deuxième réponse pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Écoutez la voyante, c'est moi. Fuyez cela comme la peste. Ah ouais. Fuyez, est-ce que c'est la même personne que tout à l'heure là qui vous cassait les bonbons? Enfin, en tout cas, il y a une situation là qu'il faut fuir là. Troisième réponse, les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit? La boule de cristal. Ah ben non, ça j'ai pas. Vous prédit un coup de chance. Ah quand même. Un coup de chance. Les poissons, ben, je vous souhaite encore une très bonne année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.